Monica, avec qui tu parles de tantôt? Je comprends pas. Je vais essayer, je vais te montrer. Comme ça, tu seras de rafraîchir la mémoire. Et tu vas en comprendre un peu mieux. Mais je m'apprêtais à me coucher, tu sais très bien. Moi, j'étais couché, moi. Moi, j'étais couché. Pendant que j'attendais que tu parlais dans le moniteur, là. Problème, toi? C'est quoi? C'est qui? Je veux voir le numéro! Bébé! Oh mon Dieu! Avant d'entrer la vidéo, j'aimerais vous introduire le sponsor de cette vidéo qui est la compagnie Sylviax, une compagnie de bijoux personnalisés. Donc, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez comment que j'adore les bijoux personnalisés. Je ne suis pas une grande fan de bijoux, mais quand c'est personnalisé, je trouve que ça apporte une touche différente. Donc, ils m'ont envoyé ce magnifique collier écrit mon nom dessus. Et vous pouvez voir, la chaîne est vraiment longue, donc vous avez le choix de n'importe quelle taille de chaîne. Et elles sont toujours ajustables si jamais vous avez commandé quelque chose de plus grand. Ils ont différentes sortes de bijoux, donc adaptés à tout style de prix. Donc ils ont des bijoux vraiment en or et des bijoux en or plaqué qui sont une reproduction de l'or, mais vous pouvez vous laver avec, vous pouvez genre vivre avec pendant des années, ça ne rouillera pas comme les faux bijoux qu'on trouve chez Claire's, chez Ardennes. Ils m'ont envoyé également cette magnifique paire de boucles d'oreilles que je trouve trop magnifique. C'est de la qualité et vous savez que moi quand je fais une collaboration c'est toujours de qualité, je n'ai pas le temps pour vous parler de quelque chose avant un prank en plus et que c'est de la merde. Alors je vous laisse les liens en barre d'infos, également mon code promo si vous êtes intéressé à vous acheter un collier personnalisé ou même faire un cadeau à quelqu'un. Je vous laisse ça en barre d'infos, la team. Mais là, on rentre dans la vidéo. Alors, bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, bonjour les filles et les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc c'est Monica pour les nouveaux ici et je vous invite fortement de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer de vidéos de moi. Alors j'ai eu une idée de fou pour un prank. Je pense qu'il y a personne, non mais personne a eu l'idée de ce prank. Pour vous expliquer comment j'ai eu l'idée de ce prank, en fait c'est que ça arrive très très souvent que les enfants s'endorment dans notre lit. Donc ce matin, Cameron s'est endormie sur notre lit. Mais vous savez, notre lit, il n'y a pas de protection. Donc qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on met un moniteur ici. Comme ça on met des coussins et on le surveille par le moniteur. Et ensuite quand il est vraiment bien endormi, on le prend, on l'amène dans sa chambre. Ce qu'on n'a pas fait, c'est de remettre la caméra dans la chambre où il dort, parce qu'on s'est dit que ah non, il dort, parce que où ce qu'il y a la prise pour mettre la caméra, il faut qu'on tasse son berceau et on va pas tasser son berceau pendant qu'il dort. Et il y a la deuxième caméra de Riley qui fait qu'on peut avoir un visuel sur Cameron quand même. Mais là, c'est ça l'affaire en fait, c'est que moi en ce moment je suis supposée de me reposer. Je suis vraiment malade, et pas malade dans un sens que j'ai la grippe ou le rhume, mais je sais pas, je pense que je travaille trop. Je suis toujours en train de travailler mon cerveau et ça m'a donné de la fièvre. Pourtant je suis pas malade, mais bref. Donc ces derniers temps, la seule chose qu'il veut que je fais, c'est de me reposer. Donc là lui, il écoute un film au salon. Et d'ailleurs je vais aller installer la deuxième caméra après. Deuxième caméra, parce que je veux vraiment voir sa réaction, parce que là c'est ça, lui il est au salon et moi je suis supposée me reposer, donc c'est lui qui a le moniteur de bébé qui surveille les enfants, comprenez. Là moi j'ai fermé le moniteur pour faire l'intro parce que en ce moment il entendrait ce que je dis dans le moniteur. Ah là vous commencez à comprendre c'est quoi que je vais faire, hein? Donc en gros ce que je vais faire, c'est que je vais parler au téléphone avec mon mec imaginaire. Donc je vais vraiment et vraiment dire des choses, le faire croire en fait que je le trompe avec un autre mec. Oh mon Dieu. La dernière fois, j'ai fait un prank où que je devais le quitter et tout. Ça s'est pas bien passé parce que j'avais pas préparé mon texte. Mon histoire avait pas trop de sens. Il m'a pas cru. Vous étiez toutes déçues. Vous étiez toutes fâchées contre moi. Il y en a une là même. Elle a commenté là. Genre, elle était vraiment fâchée contre moi. Genre, elle a dit, oh, je pensais que t'étais genre la reine des pranks. T'étais genre, là, je suis déçue. Là, maintenant, je suis team ready. Je suis comme, quoi, à ce point-là, genre, c'est parce que je rate un prank. Puis tout le monde catch feeling. Like, le nombre de pranks qu'on a raté, le nombre de pranks que j'ai publié. Pour vous montrer que c'est pas tous les pranks qui se réussissent. Je pense que j'ai publié peut-être 3 pranks que ça n'a pas bien réussi. Je peux même mettre les passages. Donc, juste pour vous montrer comment que, écoutez, c'est normal que je rate des pranks. C'est pas parfait tout le temps. Et j'essaie toujours de me rattraper au prochain. Donc voilà, je suis là pour
pour le prochain. Je suis un peu stressée honnêtement, ok, parce que je sais pas à quoi m'attendre. Les enfants dorment, donc je me dis que c'est ma protection parce que je sais qu'il va pas vouloir crier trop, mais en même temps peut-être qu'il va s'en battre les couilles. Donc voilà, alors assez parlé, je vais aller au salon juste voir comment il va et essayer de set up la caméra le mieux que je peux pour que vous le voyez. J'ai vraiment trop hâte de voir ça. J'ai trop hâte de voir sa face, c'est fou. S'il m'aurait fait un prank comme ça, je pense que moi je me serais battue avec lui. Genre peu importe là, c'est comme tu peux pas me faire ça, on a une famille. Mais bref, je pense que l'intro s'éternise déjà assez comme ça. Donc n'oubliez pas de hashtag Team Moïka si vous êtes dans ma team. Et commentez votre passage préféré du prank. Comme d'habitude, vous connaissez la team, vous connaissez l'histoire, vous connaissez la game. Alors sans plus tarder, je vais aller placer la deuxième caméra. A few moments later. Donner l'autorisation. Imagine que Eddie était avec moi, puis qu'il aurait répondu. Je sais que t'aurais raccroché, mais quand même, là, ça aurait été chelou, non, quand même. Comment ça va? Pour toi, mais on est les deux dedans, non? Fait que on fait comme on peut. Le plus important, c'est qu'on peut se voir quand même de temps en temps. Mais oui, moi aussi, là. Je me rappelle la dernière fois qu'on s'est vu. Ben non, on s'est vu avant hier. De quoi tu parles? A few moments later. Monica, avec qui tu parles de tantôt? Je comprends pas. Avec qui je parle? Comment il te manque? C'est qui ça? Qui ça? Avec qui tu es là-dedans de... Je comprends pas. C'est quoi toutes ces affaires-là? Mais de quoi tu parles? Je comprends pas moi non plus. Je vais t'essayer. Je vais te montrer. Comme ça, tu seras en rafraîchir la mémoire. Et tu vas en comprendre un peu mieux. Mais puis je m'apprêtais à me coucher, tu sais très bien. Moi, j'étais couché, moi. Moi, j'étais couché. Pendant que j'attendais que tu parlais dans le moniteur, là. Tu ris en plus? Mais tu rigoles! Comment? Hey, arrête de me niaiser.
me fais rire. Écoute ça. C'est Riley, ça. Dans le moniteur. J'ai pas besoin d'écouter ça, là. T'as de voir qui? Un peu d'explication, s'il vous plaît. Hey, je te parle. Wow. T'as de voir qui? Même un gars, ou fou, ou folle, ou... Ça qui a passé, là, ou loco, ou crazy, ça qui a pris, là. Je comprends pas. Allô, je te parle. Enlève tes yeux pendant un peu, peut-être que tu vas savoir quoi dire. Mais non, mais non. Je suis en train de rêver, là. Je m'excuse, c'était pas... Est-ce que c'était un rêve? Oh, hell no! Arrête de faire ça. Mais non. C'était... Faut que je me fasse du mal pour réveiller parce que j'arrive juste pas à y croire. C'est quoi toutes ces affaires-là, mon cœur? Avec ton je te manque, on est là-dedans à deux, on ferme des pales. C'est quoi ça? Je m'excuse vraiment. Je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je ferai rien pour te blesser. Puis j'avais justement l'intention d'arrêter ça, là. Arrêter quoi? Pour commencer, c'est quoi? Arrêter quoi? On va vous prendre. On va me dépaler là. Aidez-moi à comprendre, pas comprendre. Prenons quelqu'un, mes amis. C'est vraiment pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Je ne pas comprendre ce que tu viens de dire. C'est vraiment pas sérieux. Qui c'est que tu as supposé sérieux là? Oh. Oui, pas là, vraiment, je ne pas comprendre. Oh, orange, yeah. On va en parler plus tard. Non. Ray, va écouter Blipiché. Achita. Va venir essayer de sauver là. Qui ça? M'a comprendre ce que là, mon gars. T'es ma vie chaud là. C'est pas sérieux, c'est vraiment pas sérieux. Ça pas sérieux, là. Ça que t'as supposé sérieux. Là. C'est quoi qui est pas sérieux? Mais je comprends pas. Pourquoi tu veux que je le dis? T'as entendu, mais... non? Je veux que tu me parles! C'est un prank! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Hey! C'est pas vrai, bébé! Sors ton téléphone, je veux voir! Avec toi sur ton prank là! C'est pas vrai parce que je savais que t'allais m'entendre! C'est quoi ton problème, toi? C'est quoi? C'est qui? Je veux voir le numéro! Bébé! Oh mon dieu! Regarde! Non, ah! Tu vas casser la caméra! Je m'en fous, je vais voir le numéro! Regarde! Ah ouais, plus vite! C'était il y a 9h42. C'est un numéro bizarre. Je te crois pas là, plus preuve! Ok, il y a une caméra en avant. J'avais caché juste en dessous ici. Même Riley l'a pas remarqué. Ok, pas joué à la famille. Oh mon dieu, je suis désolée là, Tim. Je sais que vous auriez voulu que je continue, mais non, c'était trop. Yo, des masques fous, moi, là. Va foutre du avion. The house full of water bottles. Win the velocity race. Babe, on s'est promis qu'on se fâche pas après un prank. Oui, mais celui-là, c'était vraiment juste parce que tu m'as fait le prank. C'est pas celui-là, c'est vraiment juste et parce toi, que toi, tu m'as fait un icky prank. Un icky... Mon cœur, arrête de miser, là. Avec ton icky prank, puis ton... Mais avoue, ce prank était lit. Hey, lit, toi, Ben Dimla. Avoue, tu regrettes, c'est pas toi qui as eu l'idée. Il est encore fâché un peu, sa tension a monté. Ah, moi je me sens bien. Genre, je suis trop, genre, trop fière d'avoir eu l'idée d'y avoir pensé. Regardez le. Ou fière. Tu m'as dit ou fière là. Fière du prank? Mon gars, bonne caméra. Bonne caméra. Il est jaloux parce qu'il sait que tout le monde va filmer le prank. Je vous dis un gros merci d'avoir écouté cette vidéo encore une fois, les abonnés, les nouveaux ici, shout out. Alors je vous dis un gros merci d'avoir écouté cette vidéo et on se revoit à la prochaine dans une prochaine vidéo. This is...